Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous montrer, étape par étape, comment créer votre compte dans le portfolio FRQ.net. Cette procédure est réservée aux personnes qui n'ont pas de compte dans le système FRQ.net. Si vous avez déjà un compte, ne suivez pas les étapes indiquées dans cette capsule et connectez-vous directement en utilisant votre courriel et votre mot de passe. Commencez par vous diriger vers le portfolio électronique FRQ.net. Le lien est disponible sur notre site web et sous cette capsule. Une fois arrivé à la page de connexion, cliquez sur le lien « Créer un compte » disponible sous la section « Authentification ». Vous allez être redirigé vers la page des conditions d'utilisation. Lisez attentivement les conditions d'utilisation du système et cliquez sur le bouton « J'accepte » au bas de la page. Une fois les conditions d'utilisation acceptées, vous accédez à la page de saisie pour créer votre compte utilisateur. Vous devez compléter dans cette page quelques informations obligatoires identifiées par un astérisque. Saisissez votre nom, prénom, salutation et date de naissance. Mettez à jour votre affiliation universitaire. Saisissez les 5 premiers caractères de l'établissement et le système vous proposera une liste de choix basée sur les caractères que vous avez entrés. Si vous n'arrivez pas à trouver votre établissement, tapez le mot « Autre » dans ce champ et saisissez le nom de votre établissement dans le champ suivant. Si « Autre organisme », précisez. Ajoutez un numéro de téléphone pour vous joindre. Cliquez sur le lien « Ajouter un numéro de téléphone ». Une section de saisie du téléphone s'affiche. Précisez l'indicatif régional, le numéro de téléphone et choisissez son type dans la liste des choix disponibles. Une fois la saisie du numéro de téléphone terminée, cliquez sur le bouton « Ajouter » pour l'enregistrer. Vous pouvez procéder de la même manière pour ajouter une adresse postale. Le champ « Compte utilisateur » est très important. Saisissez ici votre courriel et évitez les erreurs de frappe. Ce courriel sera celui que le système utilisera pour vous envoyer les avis et il sera aussi celui que vous utiliserez pour accéder à votre profil. Dans le champ de saisie suivant, vous devez choisir un mot de passe personnalisé. Vous devez respecter les directives disponibles ici. Je vous conseille de choisir un mot de passe personnel facile à retenir pour vous. Confirmez votre mot de passe en le saisissant à nouveau dans le champ de confirmation. Une fois le mot de passe saisi, vous devez choisir deux questions de sécurité et saisir la réponse à ces deux questions. Ces questions de sécurité serviront à vous identifier lorsque vous communiquerez en personne avec les services des fonds. Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur le bouton « Ajouter » en bas de la page. Vos informations seront enregistrées, votre compte sera créé et un courriel de confirmation vous sera adressé à l'adresse courriel que vous avez indiquée dans la section « Compte utilisateur ». À cette étape, vous pouvez vous connecter et utiliser immédiatement votre compte. Vous n'avez qu'à saisir votre courriel dans le champ « Compte utilisateur », votre mot de passe dans le champ « Mot de passe » et cliquer sur le bouton « Débuter ». Nous avons terminé cette capsule qui vous a expliqué comment créer votre nouveau compte d'utilisateur. Je vous dis merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans d'autres capsules qui vous aideront à mieux utiliser le portfolio FRQ.net.